Cette nouvelle déchetterie a ouvert ses portes le 2 janvier dernier dans la zone industrielle de Jarry. Située en face de la Nationale 10, la plateforme s'adresse principalement aux professionnels. La facturation se fait au tonnage. Tout type de déchets, sauf les ordures ménagères, sont acceptés sur le site. Nous avons encombrants, ferraille. Nous collectons également tout ce qui est carton, plastique, bouteilles, textiles, batteries, etc. Spacieuse et ultra fonctionnelle, la déchetterie de Jarry a été conçue pour accueillir des quantités importantes de déchets. Ici, chaque benne est équipée d'un rouleau compacteur qui réduit le volume de déchets. Ils sont ensuite traités, puis acheminés par la voie qui convient. Il y a encore une partie malheureusement qui est enfouie, à Cita Espérance Sainte-Rose, mais vraiment l'atout de notre déchetterie, c'est de valoriser au maximum. Donc ce qui ne peut pas être valorisé localement et ensuite acheminé par conteneur via d'autres exutoires. Très attendu par les professionnels, cette initiative séduit. Le site est ouvert du lundi au samedi de 7h à 17h et le dimanche de 7h à midi. Clairement, c'est beaucoup plus pratique car avant, c'était une déchetterie, un peu grosso modo. Donc, il y avait du tri, mais c'était pas bien organisé. Il n'y avait aucune cotation. Donc, en fait, au final, nous, on pouvait faire n'importe quoi. Et en fait, il n'y avait aucun contrôle, il n'y avait aucune taxe. Donc, là, ce qui est bien, c'est qu'au moins, on arrive, il y a une pesée. On sort, il y a la même pesée, c'est très rapide, très facile d'utilisation. La déchetterie, pour le coup, je viens d'arriver donc aujourd'hui, donc elle est très propre. Après, il y a un système de compte qu'on a avec les entreprises qui nous permet de payer au mois. C'est très agréable à ce niveau-là. Le projet a été financé à 60% par les fonds européens et le reste par la région, dans l'espoir que cela contribue à lutter contre les dépôts sauvages.